Bonjour à toutes et à tous, c'est Nzotasia pour une nouvelle vidéo de Assassin's Creed Brotherhood. Donc là, comme je vous l'avais promis dans mes dernières vidéos, je fais toutes les tanières de Romulus. Donc je fais toutes les tanières de Romulus. Donc là, j'en suis à ma troisième et il y en a six. Donc j'en suis à moitié et donc cette tanière, j'avais déjà fait auparavant, elle est vraiment... souvent parce que on n'y arrive pas tout le temps et moi je trouve que c'est la plus dure de toutes et des fois on se paume et tout, enfin vous verrez parce que j'ai déjà fait ça. Ça c'est fait maintenant. Les Borgia, tu ne sais rien. Je sais qu'ils te font parvenir des lettres codées. Ouvre ton innocence. Dis-moi où tu as caché ce gold. Jamais. Ouais, donc là le gars fait tout le temps courser là. Et au bout d'un moment, on va perdre sa trace. Ça va être saoulant à le retrouver. Enfin, vu que je connais le monde par cœur maintenant, Ouais, donc là, il faut aller par là-bas pour le retrouver plus rapidement. Hop là, voilà. Là, vous allez là. Là, vous allez le retrouver. Donc ça, c'est la manière la plus rapide de retrouver la cible. Mais sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez vraiment y passer un temps de malade. Et ça va être chiant. Ne vous inquiétez pas, on va pas le courser à pied alors qu'il est que lui dans le choix. Ce serait trop dur. Donc là, ouais, faut vraiment prendre aucun truc qui nous gêne sur le passage. Parce que sinon on va perdre la cible et puis voilà, ça sera bon. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était vraiment chiant. Voilà, regardez, tu vois. Là, heureusement que je suis reparti tout de suite parce que sinon... Allez, putain! Il était mort. Voilà. Il faut pas reprendre le cheval. Non, j'ai la flemme de les affronter. Je suis trop fatigué. Je sais pas si vous avez vu une de mes vidéos là, le Kraken, mais là, cet endroit là, on aurait vraiment dit dans Santa Maria, là, le même endroit, ouais. Ça ressemble trop. Il y a exactement le même tas de foin, le même saut de la foi. Enfin, la ressemblance est frappante. Et donc là, on dirait un tombeau d'Éden, le truc. En plus, il y a Junon. Thank you.
Donc là, bah, j'ai déjà pris tous les coffres. Donc là, bah, il me reste plus qu'à reprendre. 3e. Ouais, donc bah voilà. Donc bah voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que vous avez aimé. Donc mettez un like. Ah oui, j'allais oublier. Aussi allez voir les il y a 3 chaînes que vous devez aller voir, que j'ai dit dans mes autres vidéos. C'est la chaîne de Charles Mazurik, celle de Pierre-Antoine Duval et celle de Eda du 503. Donc tout ça c'est des vidéos surtout des jeux vidéo et tout, comme Minecraft et tout. Donc voilà, donc mettez un petit like à cette vidéo, abonnez-vous, donc voilà. Au revoir.